Je m'appelle Yan Du, donc je suis le responsable de tous les U en Guyane. Nous avons mis dès la première semaine des plexiglas pour mettre une distance entre nos caissières, nos employés et les clients. Une zone où les clients puissent avoir une distance de sécurité. Nous avons mis les gants en place pour nos salariés. Et il y a aussi des mesures d'hygiène qui ont été mises en place au niveau nettoyage hein, tous les heures. Nos caissiers ou tous les employés qui travaillent, qui ont un contact avec le client, ben, ils la font même tous les demi-heures. Nous avons aussi pris une autre mesure qui est plus forte. Donc nous avons la boucherie traditionnelle, le poissonnerie traditionnelle, la fromage coupe. Voilà, tout ça on a fermé, on a mis en libre-service. Et dans tous nos magasins, c'est la même mesure. Hein. Nous avons mis rapidement en place pour justement protéger nos employés et aussi nos clients. Donc nous avons à Soula, c'est pareil, à Saint-Laurent et à Kourou. Nous avons renforcé également tous les ventes par Internet, le Drive, hein, à CoupseU. Téléchargez l'application CoupseU, vous mettez vos coordonnées, vous choisissez bien le magasin Hyper-U Cayenne. Ça marche très très bien, les clients sont assez contents. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier toutes nos équipes qui se sont fortement mobilisées depuis 2 ou 3 semaines et se sont fortement engagées à vraiment remplir les rayons pour rassurer la population. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autres professions comme les aides-soignants, tout ça, qui font un travail formidable. C'est vrai que dans notre secteur d'alimentaire, nos employés se sont aussi fortement, en tout cas, engagés, et jusqu'à aujourd'hui encore, ils s'engagent, et je tiens vraiment à les remercier. Ce que je demande, c'est que la population respecte les consignes hein, de confinement hein, données par les autorités. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs qui disaient que nous avons augmenté les prix. Je dément fortement cette rumeur. Nous n'avons pas du tout augmenté les prix. Nous n'avons pas profité de la situation. On s'engage sérieusement à que les prix soient bloqués le plus longtemps possible et de nous faire confiance. Hein. Nous ne profitons pas du tout de la situation. Au contraire, nous faisons tout l'effort pour justement vous donner un meilleur service et rendre votre vie le plus normal possible.